sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Homme de Dieu, tu peux asseoir. Amen. On se pose une question. Est-ce qu'on a été des hommes et des femmes de paix? Est-ce que autour de nous, on a cultivé la paix? Si ce n'est pas le cas, ce moment est bien arrivé pour nous. C'est vrai. On va dire, je suis de la sainte doctrine. Les autres ne le sont pas. Donc, je ne parle pas avec eux. Frère, tu n'as rien compris. Au contraire, tu dois entretenir de bonnes relations avec eux. Pour leur montrer que, avec la sainte doctrine, c'est l'amour. Pour leur montrer que c'est tout la sainte doctrine. Ce n'est pas seulement un ensemble de préceptes. On ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas. Mais en Christ, on est un choix. Donc, est-ce qu'on est un homme de paix dans notre environnement? Lorsqu'on est placé dans notre vie, dans la famille, on dit c'est lui. C'est lui, il dit on ne fait pas ça. C'est lui, il dit on ne fait pas haut. C'est lui, il dit on ne porte pas ça haut. Et puis, on te met au banc, on te met à côté. Mais tu ne dois pas regarder ça. Comme on le dit, il faut forcer à l'outil. Il ne faut pas rester à côté. Parce que là, l'ennemi encore, il attend que ça. Il va dire, on t'a dit de chercher la paix avec tous. Est-ce que toi, tu connais la parole? Est-ce que tu as recherché la paix? Donc, tout à l'heure, on va se repentir. Par rapport à cela, Seigneur, je n'ai pas été un homme de paix. Même quand les autres m'insultent, est-ce que je recherche la paix? Est-ce que je recherche la paix? Dans mon environnement de travail, est-ce que je recherche la paix? Est-ce que tu sais ce que nous t'a dit sur toi? C'est pas grave. Le Seigneur dit de pardonner. C'est pas grave. On va pas dire, allez, toi, qu'est-ce que tu as dit sur moi? Non, tu n'es pas un homme de paix. Sois un homme de paix. Nous allons continuer encore. L'homme de Dieu a dit, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oh, tu vas caler. Et ça nous dit, c'est verset 23. Tu vas caler ça. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que on s'est sanctifié? Est-ce qu'on a recherché la sanctification? Voilà encore un motif de repentance. Et lorsqu'on va diviser cela, vous allez voir que finalement, chaque jour, on doit se repentir. Homme de Dieu. Vas-y, Jésus. Que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, et que plutôt votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie, lui-même tout entier, et que votre être, vous, l'homme, est fait de trois parties. Tu dois sanctifier ton esprit, tu dois sanctifier ton âme, tu dois sanctifier ton corps. Lorsqu'on va commencer, la repentance tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire. On va nous repentir pour les péchés liés à l'esprit. Sache de quoi? La prière, la méditation, dire offrant. Aussi, est-ce qu'on évangélise?
Donc, quand on regarde tout ça, péché de l'esprit, on va se repentir. Je dis tout ça pour que nous puissions être précis lorsqu'on va prendre notre position de repentance. Donc, l'esprit. Ensuite, on nous parle de l'âme. Homme de Dieu, je vais te fatiguer encore. Galates 19. Oui. Vas-y, homme de Dieu. Donc ici, le péché aussi de l'âme. Quand on va dire, on va commencer la repentance concernant le péché de l'âme, voilà ce qu'on entend. Tout ça, pour vous rappeler, pour qu'on soit précis. Vous savez que quand on est précis dans la prière, il y a des fruits. Oh mon Dieu. Galates chapitre verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand on va commencer la repentance concernant les péchés de l'âme, voilà, on va cibler cela. Là, c'est tout ce qui touche à la morale. Comme l'homme de Dieu vient de nous citer l'impudicité, ça touche en même temps le corps et l'âme. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités. Ensuite, nous allons terminer notre repentance avec les péchés qui touchent au corps. Nous avons fait l'effort pour la plupart d'entre nous de soigner notre habitude. C'est bien. Mais souvent, on veut faire comme les autres. Souvent, on dit, mais si on prend un peu, si on est un peu à la mode, ça fait quoi? Les pantalons serrés, les garçons. Hein? Parce que les femmes, déjà, elles ont leur habit de sainteté. Les pantalons serrés, les bottes qui nous plaquent bien, qui montrent bien les formes. Mais ça séduit. Il faut qu'on se dise. Les pantalons, les garçons, même quand tu marches, on voit ton, hein, qui balance tout ça. Les garçons, ça séduit. Ça fatigue les filles. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, attention, péché du corps. Nos sœurs aussi, la plupart font l'effort maintenant. Bon, on se sert un peu, hein, le haut est bien serré, on essaie bien dedans. Ah, ma sœur, tu vas faire tomber les gens ici. Même si ton habit est en bas là-bas. Mais dans la forme, quand on voit, on devine tout. C'est pas. Il faut regarder tout ça. Donc, je voulais rappeler un peu tout ça pour que lors de la repentance, quand on va dire, on va se repentir contre les péchés liés à l'esprit, tu saches ce que c'est. Quand on va dire, on va se repentir contre les péchés liés à l'âme, tu... Quand on va dire, on va se repentir contre les péchés liés au corps, plus ou moins, tu sais où on veut aller. Et après cela, comme l'homme de Dieu est là, en même temps, on va diriger les étapes, on va indiquer comme on a l'habitude de faire le sang de Jésus pour laver. Et par sa grâce, tout ce qui est prison de l'impudicité vont être brisés. Tout ce qui est prison de péché vont être brisés. Et le Seigneur, dans sa grâce, va libérer les âmes.
si on est vraiment en communion avec le Seigneur, il va faire des choses. Bien, le temps court. On va prendre une position d'humilité. On va prendre une position d'humilité. Même toi, tu es à la caméra. Tu vas venir positionner ta caméra quelque part ici. Hein? Voilà. Et puis, on va prendre une position d'humilité. Tous. On va se répandir. Sache que l'objectif de ce moment, c'est de demander pardon. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, personne ne va prier pour toi aujourd'hui. Personne ne va t'aider. Alors, élève la voix et implore la miséricorde de Dieu. Nous allons invoquer la miséricorde de notre Seigneur concernant les péchés liés à l'esprit. Ô Dieu, ô roi, Père éternel, nous avons péché. J'ai péché contre toi. Ô Jésus-Christ, je n'ai pas l'âge. Glorifie pas au Père que nous sommes les yeux liés à notre esprit. Voilà que comme ton serviteur l'a cité au Père, à notre niveau, il est tellement heureux au Père. Nous sommes révélés notre avant des péchés de l'esprit. Prendre ton œuvre. Et voilà que c'est de Jésus-Christ. Éternel, nous avions pied sur le temps. Nous avons au Père tout puissant, c'est de Jésus-Christ, dans toutes nos facultés. Nous n'avons aucun défaut, c'est de Jésus-Christ. Et toutes les conditions étaient réunies. Et Seigneur, nous avons délibérément refusé de Père éternel, d'entrer dans la prière. Sous prétexte que nous sommes fatigués, sous prétexte que nous n'avons pas éternel Dieu les droits, cette force, sous prétexte que nous sommes malades, nous avons refusé délibérément d'entrer en prière, dans des hommes et des femmes de prière. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, la parole déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 7, à partir du verset 17, que nous devons prier sans cesse. C'est notre exercice de tous les jours, c'est notre exercice quotidien, c'est notre exercice de faire une mission spirituelle. C'est au travers de la prière que nous communiquons avec toi. C'est au travers de la prière que nous nous adressons à toi, Jésus. C'est au travers de la prière que Père éternel, nous exposons nos désirs, nous exposons nos soupirs. C'est au travers de la prière que tu nous révèles des choses. C'est au travers de la prière que nous pouvons ramasser les œuvres du monde éternel. C'est au travers de la prière que nous avons la victoire. C'est au travers de la prière que nous avons repris tout ce que nous recherchons avec toi. Seigneur Jésus-Christ, nous le voyons dans le corps des mortels. Un homme et sa femme, ils ne communiquent pas. Le foyer ne sera pas rempli. Un homme et sa femme, qui ne parle pas. Le foyer ne sera pas en stade. Le foyer aura beaucoup de problèmes. Le foyer aura beaucoup de difficultés. Mais toi, tu es notre mari. Toi qui es notre époux, Seigneur Jésus. Cela le livre de Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 21 jusqu'au verset 23, tu nous révèles que tu es notre époux. Et nous sommes ton épouse, au Père éternel. Mais en tant qu'épouse, nous devons te parler. Nous devons échanger avec toi. Nous devons être dans la prière. Parce que nous sommes des hommes de l'esprit. Et non des hommes de la chair. Nous sommes des hommes de l'esprit. Et non des hommes de la chair. La prière nourrit l'esprit. La prière gravit l'esprit. La prière couvre l'esprit. Mais Seigneur et Père, nous avons refusé de chercher ta volonté. Au travers de la prière, nous sommes confiés à nos esprits charnels. Nous sommes confiés à nos désirs charnels. Nous sommes confiés à nos convoitises charnels. Nous avons refusé d'aller chercher la volonté de Père. Nous avons refusé de fléchir les genoux. Nous avons refusé d'entrer en prière. Voilà pourquoi ce jour, Père éternel, Jésus-Christ est là. Toute la foi de Père éternel, que nous avons manqué la prière. Jésus-Christ, nous donne les rassemblements au Père. Pendant le soir, les rassemblements au Père tout puissant. Pendant le week-end, nous les avons, Seigneur, le Dieu, nous avons négligé. Nous les avons mis de côté, en détriment au Père tout puissant de nos activités. Et nous avons, Seigneur, le Dieu, nous avons, mon Père, mis en place, Seigneur
Jésus-Christ, ton œuvre, ton œuvre. Et voilà ton père. Nos cœurs se sont inversés. C'est là la richesse de Chardin. Père, la richesse de ceux nous ont bloqués. Les réseaux sociaux nous ont empêchés de prier. Les réseaux sociaux ont été le prix de prier. Le téléphone portable a été pour nous le plus puissant. Le cache dans la prière. Et nous reconnaissons le son de la vie. Nos outils de paix, nos télévisions, on tient le cache, on tient le cache, et nous sommes empêchés de prier. On a regardé le précédent de l'écran pendant des heures, le temps passé, le temps des heures, et quand il s'agissait de la prière, 5 minutes de prière, 10 minutes de prière, et l'homme commence à parler, et l'homme commence à être fatigué. C'est là que Père nous trouvons, que nous sommes fatigués, que nous n'avons pas la force, que nous ne sommes pas inspirés, alors que nous avons pris tout ce temps à être sur les réseaux sociaux. À être dans les réseaux sociaux de Pétrouche, à être dans les réseaux sociaux, à scroller des pages et des pages, à défiler des images et des images, à prendre des informations, ça déjà. Mais Seigneur, quand il s'agissait de la prière, nous n'avons pas été, Seigneur mon Dieu, pour aller à la prêche. Nous n'avons pas été à la prêche. Eh bien, Pétrouche, selon la révélation de ta parole, nous comprenons que nous sommes des sentinelles. Et après que les sentinelles, nous devons être partout. Nous devons prier de Pétrouche. De voir, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui arrive? En tant que les sentinelles, comme l'homme doit prier, en tant que les sentinelles, nous devons toujours être allumés. En tant que les sentinelles, en tant que les chandeliers, nous devons toujours prier, Seigneur, et pour nous. Et nous arrivons, Seigneur, en Dieu, de ne pas vaquer à la prière. Et nous arrivons de ne pas vaquer à la prière. De ne pas dire sur nos occupations, de mentir le Père puissant sur nos activités. Et nous arrivons parfois, nous avons le même temps, et nous étions assis à la maison, en tant que Père puissant, pour servir les manipulés de téléphone, pour servir les manipulés de ordinateur, pour servir les trouver des discussions et des conseils inutiles, pour servir les trouver le Père puissant, les choses qu'il a fait. Voilà pourquoi Père puissant ce jour, Seigneur, ce moment est le bienvenu, Père puissant, pour qu'on puisse pour reconnaître le Seigneur Jésus. Nous assurons le temps pour reconnaître nos fonds de Père puissant, pour reconnaître Seigneur Jésus, nos fonds de Père éternel. Nous nous souvenons Seigneur Jésus qui s'est avec nous. Nous venons de l'éloi confesser au Père éternel. Non pas seulement confesser, mais nous voulons aussi nous démentir les exercices et donner la place à la prière. Trouver le temps pour la prière, Seigneur Jésus. Je ne plus jamais se plaindre. Je suis fatigué, je suis à bout. Je n'ai pas de force. Père éternel, nous nous voulons ce jour. Pardonne-nous, Seigneur. Éternel-moi, Seigneur, c'est pour que nous nous disons que notre cœur refuse même d'accepter. Il s'agit du jeûne. Seigneur, nous n'avons aucune intimité dans le jeûne. Nous n'avons aucun moment de jeûne. Nous n'avons aucun jour de jeûne. On a des jours de travail. 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 On a des jours de paix pour puissions faire tout le temps. Et nous avons des emplois du nord. Nous n'avons pas d'idée. Mais Seigneur, notre jeûne. Nous sommes réticents. Quand on dit des moments de jeûne, nos cœurs humilient, nos cœurs refusent d'accepter, de mortifier notre chair, de traiter durement notre chair, de laisser place à l'esprit. Mais Seigneur, mon Dieu, nous sommes dans la chair de Père éternel. Et c'est réactiver nos visions, c'est réactiver nos pères de puissance. Les révélations que nous devons avoir, nous sommes devenus des seuls de chair, et non des seuls de l'esprit. Voilà pourquoi nous te prions ce jour, Jésus-Christ et la fin. Voilà pourquoi nous ne pouvons ce jour de l'être de gloire. Toutes les fois nous avons dit qu'on va prendre un moment de jeûne tel jour. Et quand le jour est arrivé, on a trouvé une astuce. On a trouvé quelque chose d'autre. Père, nous ne pouvons ce jour, Seigneur, de l'être de l'être de gloire. Nous ne pouvons ce jour, Jésus-Christ, et l'être. Nous ne pouvons ce jour, et l'être de l'être. Nous ne pouvons ce jour, Seigneur, de l'être. Nous voulons avoir des moments de jeûne. Nous voulons avoir des jours de jeûne. Nous voulons avoir un emploi de temps de jeûne. Car nous ne sommes pas des êtres naturels, mais nous sommes des êtres surnaturels de Père. Et nous devons vivre dans le surnaturel. Nous devons être dans l'esprit et non dans la chair. Et non dans la chair. Et non dans la chair. Seigneur, nous sommes quand même pas l'évangélisation. Ça nous fatigue tellement. On a peur d'évangéliser. On a peur de parler. On a peur de parler. On choisit les ténèbres. On se dit non, là je suis au travail, je ne peux pas évangéliser. Là je suis avec mes amis, je ne peux pas évangéliser. Là je suis avec mon collègue, je ne peux pas évangéliser. Là je suis en ce lieu, je ne peux pas parler. Mais Seigneur éternel, la parole de Dieu accorde toute circonstance. Favorable ou pas, nous devons crier. Père, en tant que des coqs,
nous devons crier, nous devons sonner la larme, nous devons sonner la larme. Dis au monde entier que notre Dieu est bien. Dis au monde entier de se répandir la foi. Dis au monde entier de se répandir aux mêmes puissants et aux nations. Mais Seigneur, nous refusons de parler. Nous refusons de parler. Que nous trouvons des astuces. Ce sont les jours d'évangélisation. Que nous trouvons pour organiser des sens. Ce sont les jours d'évangélisation. Que nous trouvons pour organiser des rencontres. Ce sont les jours d'évangélisation. Que nous trouvons le Père Tout-Puissant. Seigneur Jésus, Père et Père, vous programmez quelque chose. Ce sont les jours d'évangélisation. Au Père, c'est pendant ces jours-là, Seigneur Père, que l'on se rencontre, qu'on doit visiter sa femme, qu'on doit visiter son frère, que l'on doit visiter sa femme. Père et Père, vous pensez que hypocrite à ton égard, pourquoi nous ne sommes pas frères à ton égard, mais Seigneur et Père, nous n'allons pas nous cacher la face, c'est ce que nous avons fait, et nous venons de l'avouer le Père Tout-Puissant, nous venons confesser Seigneur Jésus, parce que nous regrettons ses actes, parce que nous regrettons ses actes de Père Tout-Puissant, parce que nous regrettons ses actes de Seigneur Jésus, parce que nous regrettons ses actes de Père Tout-Puissant, parce que nous regrettons ses actes de Seigneur et Père, nous venons de l'avouer. Nous venons de la foi, l'éternel Dieu de gloire. Nous venons de la foi, Seigneur éternel. Nous venons de la foi dans le bas. Nous venons de la foi, l'éternel Dieu de gloire. Seigneur Jésus, la compassion de nous, mon Père Tout-Puissant. La compassion de nous, Seigneur Jésus. La compassion de nous, Seigneur Abraham. Nous refusons de nous investir dans ton peuple. Seigneur, nous avons des difficultés pour nous. Avec des souffrances encore nous cadurons. Avec des souffrances encore nous restons au Père Tout-Puissant. Avec des souffrances encore nous faisons des calculs, Seigneur Jésus-Christ, dans le monde. Avec des types de Père éternel, nous trouvons tout des moyens de Père Tout-Puissant. De ne pas, Seigneur, mon Dieu, pour parler la totalité. Nous trouvons des moyens de Père Tout-Puissant. De prendre une partie pour nos besoins, pour nos activités, Seigneur Jésus-Christ. Et ta parole n'est pas un homme trop petit, Dieu. Mais vous me trompez. Mais vous me trompez, Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment nous prions ce jour, ma parole de la foi. C'est un homme pour assurer, ce qui nous poissonnera aussi. C'est un homme pour assurer, qui nous poissonnera aussi. Nous avons semé la mort. 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 Au travers des œuvres de l'esprit. Au travers des œuvres de l'esprit. Membre de prière, membre de chœur, d'évangélisation, membre de Père Tout-Puissant, c'est le soutien dans les offrandes, dans les dîmes, les actions des grâces. Nous les ferons toujours. Nous parlons dans nos cœurs. Mais les frères ne sont pas d'accord. Nous nous plaignons, Seigneur Jésus. Et de la compassion de nous, frères. La compassion de nous, Seigneur Jésus, nous y avons. La compassion de nous, et de l'être de nous. Père Tout-Puissant, pendant ce moment, nous pleurons à toi, Seigneur Jésus. Simplement parler de retomber dans ce genre de choses. Nous voulons simplement parler de retomber dans ce genre de choses. Mais Père éternel, nous voulons nous débarrasser de cela. Nous voulons nous débrouiller de cette mauvaise façon de faire. Nous voulons négocier à ce Dieu de Seigneur éternel. Nous voulons négocier à ces activités pour Père Tout-Puissant. Nous voulons négocier à cela, Père adorable, dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dans ce jour, Dieu nous grâce. Dieu nous grâce, Dieu nous grâce, Dieu nous grâce, Jésus. Dieu nous grâce, Adonai. Dieu nous grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu nous grâce, Seigneur Jésus. Dieu nous grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu nous grâce, Seigneur Adonai. Dieu nous grâce, Seigneur Éternel. Dieu nous grâce, Père Tout-Puissant. Père nous grâce, Jésus-Christ et dans Père nous grâce, au Père éternel. Jésus, nous venons de tout cœur. Nous venons avec un cœur sincère. Nous ne pouvons rien cacher. Nous ne pouvons rien retenir. Nous ne pouvons avouer, Seigneur éternel. Nous voulons avouer, Seigneur Jésus-Christ et dans que nous avons été dans le monde. Seigneur, ce n'est pas seulement pour appeler et provoquer. Le Seigneur, c'est de changer les natures. De regretter sincèrement. De revenir à la bonne façon de faire. De revenir à la raison pour Père Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous le supplions, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous le supplions, les étudiants de gloire. Faites-nous grâce au Père Tout-Puissant. 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 Faites-nous grâce au Père Tout-Puissant.
Seigneur, les amis des sous-titres, nous avons protesté avec son Dieu. Nous avons protesté avec son Dieu. Nous avons protesté avec son Dieu. Et c'est là que Dieu nous a dit, ne méprisez pas les prophéties, mais sortez-les, retenez ce qui est bon. Et nous avons fait le travail de mépriser les prophéties. De mépriser les prophéties, de mépriser les révélations, de mépriser les avertissements, de mépriser tout cela au Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les péchés au Père Abraham. Pour le pouvoir de soutenir, Seigneur Abraham. Que nous fassions pour la vie. Jésus fait une grâce. Que nous fassions, Jésus fait une grâce. C'est là que nous avons sorti de ce livre. Seigneur, je vous transforme. Et nous pouvons sortir de ce moment transformé. Sans que tu nous libères, transformé. Et nous pouvons sortir de ce moment transformé. Sans que tu nous transformes, transformé. Et nous pouvons sortir de ce moment transformé. Sans que tu nous transformes, toutes ces églises sont développées. Nous pouvons sortir de ce moment transformé. Sans que tu nous renouvelles. Père, nous sommes à toi, Seigneur Jésus, transforme-nous. C'est d'abord exposé une partie de Père et des êtres. Les péchés liés à l'esprit. Les péchés liés à l'esprit. Les péchés liés à l'esprit. Nous avons exposé les péchés liés à l'esprit. Nous avons exposé les péchés liés à l'esprit. Nous avons exposé les péchés liés à l'esprit. Maintenant que tu as oublié, sache qu'il faut que tu délaisses. Sache qu'il faut que tu ne recommences plus. Parce que si tu reprends encore, tu es en train de t'abuser. Et le Seigneur Jésus nous dit, il ne faut pas qu'on s'abuse. Il est Dieu. Il n'est pas notre ami. Même si ça baisse jusqu'à nous, rappelle-toi qu'il est ton Dieu. C'est pour cela. Nous avons continué un temps. Et tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus. Tu vas 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 invoquer le sang de Jésus. Invoque maintenant le sang de Jésus. Invoque maintenant le sang de Jésus. Invoque maintenant le sang de Jésus. Et au travers de ces péchés, on peut dire des accusations. Au travers de ces actions, on peut dire des choses que nous avons profité de faire. Au travers de ces choses, il y a des fantômes qui ont été suivis pour faire. Voilà pourquoi nous avons fait ces choses. Jésus, pas de moyens de ton sang. 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 Seigneur, regarde, notre esprit. Notre esprit est soumis. Notre esprit est soumis. Notre esprit est soumis. Notre esprit est soumis. Et pas de moyens de ton sang, Adonai. 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 Nettoie notre esprit. 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 Je vais sortir de la paix en esprit. Je vais sortir de l'école en esprit. Je vais sortir de toi en esprit ce soir. Je vais sortir de toi en esprit ce jour pour faire dans le nom de Jésus. Je vais sortir de Jésus. Et lui, je vais sortir de toi. Tu vas se lever dans l'esprit de l'enfant.
Tu vas te lever maintenant. Si tu veux, tu peux rester à genoux ou bien tu peux te lever. Et nous avons toujours continué. Nous avons continué. Tu vas faire la merci de recevoir. Tu vas fermer légèrement les yeux. Et tu vas continuer à invoquer le sang de Jésus. Tu vas continuer à invoquer le sang de Jésus. Et maintenant, tu invoques le sang de Jésus. Et tu dis, je crois le sang de Jésus. 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 Je parle de 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 sang de Jésus. Set the foot.
Je
brisé par le nom de Jésus. 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 Tout le monde est en marche. Je crois que dans ma vie, la maladie de la maladie la maladie de la maladie la maladie de la maladie de la maladie de par le nom de Jésus. De la maintenant, de tout péché lié à l'esprit, de tout péché lié à la chair, de tout péché lié à la chair, de tout péché lié à la chair, par le sang de Jésus. 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 Personne n'a son libéré. Personne n'a son libéré. Par le sang de Jésus. Mais la paix du feu, le sang de Jésus est là, mais la paix du feu, le sang de Jésus est là, mais la paix du feu, par le corps de Jésus, 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 au nom 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 de C'est le sang de Jésus. Ok. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tout pour moi, esprit. Le sang de Jésus. Par rapport au péché lié à l'esprit. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'ai refait cette préparation sans. Alléluia. J'ai refait cette préparation faite ensemble. Alléluia. Le sang de Jésus. C'est quoi, frère de bénir? Le sang de Jésus. Tu vas te bénir pour ce jour. Le sang de Jésus. Tu vas perdre ton début. 1 Jean chapitre 1. Prends ton épée rapidement, prends ton épée rapidement, le temps est court. Le sang de Jésus. Allons-y. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 1, verset 7. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous avons annoncée et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Que le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Nous allons déclarer en Jésus. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole. Je vais déclarer dans notre autorité. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole. Je te connais. Purifiera-t-il
votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux que l'esprit,
Joël 2, verset 13. Que le peuple n'a pas de conchure en poussière. Joël 2, verset 13. Il a parlé de l'Éternel. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la maternelle, à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure. Et l'épouse sorte de sa chambre. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Verset 15. C'est au verset 15. C'est au verset 12. Voilà, commence au verset 12. C'est pas la partie. Joël 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout vos cœurs, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. Bien, on fait cette déclaration. Tu vas le déclarer au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Si la parole de ce qui est écrit. Si la parole de ce qui est écrit. Tu dis maintenant encore. Je le demande encore. Révélez à moi. Révélez à moi. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Éternel. Éternel. Là où je n'ai plus à part. L'évangélisation. La prière. La prière. Le jeûne. Le jeûne. La consécration. Le sang de Jésus, qui est la vie, c'est le sang.
Bien le dispose-toi parce que le sang de Jésus c'est la bouche. Alléluia. La chasse est de la mort. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui est la bouche. Qui est la bouche. Je débarque. Je débarque. Je prends le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Qui est le nom de la mort. Qui est le nom de la mort. Les esprits de mort. Les esprits de mort. Tu deviens mort. Même délivrance, même tu n'arrives plus à faire. Frère, ce n'est pas normal. Même délivrance, même tu n'arrives pas à faire. Ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse au chapitre 6. Allons-y là. Apocalypse chapitre 6. Oui, attention. Laissez plus vite. Prends le. Voilà, prends le verset 7. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Il a dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Très bien. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre. C'est bon. Allez, amen. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le cavalier qui est la mort. Le cavalier qui est la mort. Son séjour de mort. Son séjour de mort. Le séjour de mort. Le séjour de mort. La séparation, le divorce, la séparation.
Jésus. Parce que Jésus est la vie. La vie. Je déclare. Le chemin. Jésus. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Je déclare. Je déclare. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Chasse tes douleurs. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Chasse la mort. Chasse la mort. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Chasse la mort. Chasse la mort. Saisis le tombeau. Saisis le tombeau. Je saisis le tombeau. Je saisis le tombeau. Je saisis la prison de la mort. Nous sommes les au nom de Jésus. Nous sommes au nom de Jésus. Acclame le nom du Seigneur. Acclame le nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé du Père. On a prié son nom. Comme les péchés de l'esprit. Vous voyez là. Dans ces jours-là, c'est rien. On n'avait pas fini, on a tout pris. C'est pour montrer comment nous devons faire. Donc là, on a prié seulement contre les péchés de l'esprit. On a fait des prières claires, précises. Vous avez vu ce que le Seigneur a fait. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclame le nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ce prière, on a brisé la prison de la mort. Acclame le nom du Seigneur Jésus. La prison de la mort, tu dis ça, a été brisée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu m'avait demandé de faire attention. De faire attention aux différents songes que vous serez dans la nuit. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des songes qui veulent bien vous partager cela? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des songes qui veulent bien vous partager cela? Amen. Shalom. Le seul jour où j'ai vu la nuit, c'est pas toi. C'est comme on était allé à l'école ici. Il y avait le docteur moi, et puis l'homme était bien, et moi aussi. Puis il y avait une soeur, qui s'appelle Esther, la soeur chante. Il y avait un autre frère encore. Et le disent même pour son visage, il n'est pas beau, magnifique. Il a fait avec nous aussi. Donc on était évangélisé. Et on évangélisait. Et c'est notre diable qui parlait. Et puis, notre bébé le suivait. Donc, vous avez on évangélisait pas en avance. Et puis, on a arrivé dans les carrefours. L'évangélisé, on a vu la voix qu'on progresse encore. Et puis, quand on parlait quand, maintenant, bon, on a besoin de l'eau. Et ça, maintenant, il suit. Le papa, il y a un peu de cachet de l'eau à côté. Dans la seule chambre, Estelle. Pour elle, elle veut la maison. Donc, elle fait comme ça de la prendre en même temps, puis on va en partir. Et quand le papa, maintenant, il y avait une soeur encore, et son visage, on brise son visage. Pour elle, partir moi aussi, nous trois, on est ensemble, comme on tenait le même chemin. Et c'est là que je me suis levé. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Merci beaucoup.
on était à l'évangélisation. Et à l'évangélisation, vous savez qu'on s'est déplacé de Californie en Californie, on a avancé à un certain moment. Il y avait un autre qui venait pour eux. C'est-à-dire que pendant qu'on avançait au fur et à mesure, on perdait en force. Quand il y a une écriture qui déclare que tu vas servir les données de toutes tes forces. C'est-à-dire que c'est aussi un message de Dieu. Donc, en faisant l'évangélisation, nous sommes aussi en train de servir Dieu de toutes nos forces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que le message est concerné. Mais le message concerne, il n'y a pas combien de personnes dans le sang. Si vous avez remarqué, il y avait toi, comme j'ai vu, la soeur Chanta. Il y avait le frère aussi. Voilà. Ça veut dire que quand après, elle a dit qu'elle devait se retourner à la maison, ça veut dire quoi? Si au moment où elle a dit qu'elle devait se retourner à la maison, c'est parce qu'on avait besoin d'eau. Donc ça veut dire que même quand on sera épuisé, on doit persister, on doit persévérer dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas se laisser décourager, ni par la faim, ni par la soif, ni par toutes ces autres choses. On doit persévérer dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Parce que si on ne persévère pas dans ces choses, dans ces genres de choses, c'est la mort qui est là. Donc, s'il y a une autre personne aussi. Alléluia. Merci pour ton Dieu. Tu pensais que c'était un petit songe. Tu as vu, j'ai un petit songe. Demandez à ton Seigneur toujours. Shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est comme si on choisissait les gens pour leur offrir des présents. Les gens qui étaient souffrants, on me montrait ces gens-là. Mais je vois que ce n'est pas leur visage, c'est seulement. Les gens un peu malades, on me montrait, on a telle personne, on a telle personne, on a telle personne. Donc, c'est tout ce que j'ai vu, c'est comme ça. Amen. Il y a deux volets dans ce son. Il y a un premier volet qui est l'hospitalité. Parce qu'aujourd'hui, l'hospitalité de plusieurs s'est refroidie. Pourquoi? À cause de toutes les situations qu'ils ont rencontrées. Ils ont aidé quelqu'un en étant tous croyants dans les taux. Ils ont fait de tout le cœur en étant tous croyants dans les taux. Et à un certain moment, ils ont dit qu'ils ne devaient plus exercer l'hospitalité. L'hospitalité doit s'exercer, se pratiquer dans l'église. Parce que quand on parle des morts, c'est tout ça. On peut parler de l'impudicité, tout ça, mais l'hospitalité aussi, là. En ne pratiquant pas l'hospitalité, c'est un péché. Il y a d'abord ça, l'hospitalité. Et aussi les malades, selon les Écritures, dit quoi? On dit que Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont justes, mais je suis venu pour les malades. Le malade ici, c'est celui qui est dans le péché. Et lui venir en aide, lui apporter, je ne sais pas, un soutien ou bien quelque chose, c'est lui apporter une bonne nouvelle qui va guérir son âme. Ça rejoint aussi le sens du feu, l'évangélisation. Et ça, ça vous concerne aussi. Demandez-vous si vous-même vous évangélisez. Ça vous concerne aussi. C'est-à-dire que toutes les fois que nous serons engagés dans le du Seigneur Jésus, le Seigneur, quand tu es engagé dans ce monde-là, tu deviens un feu. Et quand tu deviens un feu comme cela, il y a des choses dans lesquelles nous n'avons plus de retrouver. Mais tu vas voir que quand on commence à refroidir, ou bien quand on commence à tomber dans des petites choses, c'est parce qu'il n'y a plus d'évangélisation, il n'y a plus de prière, il n'y a plus ce genre de choses-là. Et on devient froid, on devient vide. Un autre songe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi, le songe que j'ai fait, j'ai vu Makoso. Makoso, en rêve, il y avait une dame qui voulait voyager. Donc, elle avait porté des bijoux, des boucles d'oreilles, mais il y avait des diamants sur ses boucles d'oreilles. Et puis, Makoso a dit, maman, tu veux voyager, viens, donne-moi tes boucles d'oreilles, je vais prier pour toi, tu vas voyager. Et puis, j'ai dit, voilà. Maintenant, on nous enseigne à découvrir. Vous êtes là, vous arnaquez les gens, vous exploitez les gens. Ces bijoux qui sont, ces bijoux qui sont diamants là-dessus, hein. Elle ne peut pas prendre et puis ça va payer son billet d'avion. Tu as besoin de prendre ces bijoux et puis tu vas payer pour elle, pour qu'elle puisse voyager. Maman, il ne faut pas lui donner, c'est un expo. Et puis il a dit à celui qui a appliqué là, ah, ils ont pu donner à mon cher, on n'a pas ce chercher. Et puis ils se sont retournés, ils sont partis. Donc je lui ai dit, maman, on enseigne ça, ce sont les pasteurs. Il faut chercher Dieu véritablement. Ce n'est pas dans le voyage là que tu vas avoir ce que tu cherches. Cherche Dieu, il va te donner tout ce que tu veux. Et puis je me suis réveillé. C'est-à-dire que dans ce son, là, tout ce que tu as fait, tu as remarqué simplement. Marcousson est le voyage pour le voir, pasteur. En réalité, on ne parle pas de Marcousson. Nous, il s'agit de nous. Toutes les choses nous concernent d'abord. Voilà. Il s'agit aussi de nous en tant qu'homme de Dieu. Quand nous sommes en train de prêcher l'évangile du Seigneur, il ne faudrait pas que derrière la pensée, ce soit l'escroquerie. Ce soit pour nourrir le ventre, ou encore pour nourrir la chair. Mais nous devons servir Dieu de façon libérale.
Ça, ça concerne beaucoup les hommes de Dieu. Nous devons servir Dieu de façon libérale, c'est-à-dire que sans ne rien attendre en retour. Sans ne rien attendre en retour. On peut aller à l'évangélisation. Votre but, là, c'est pas se batailler si les offrandes que les gens m'ont donné. C'est pas se batailler aussi sur les dîmes que les gens m'ont donné. Nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement de façon libérale. Et quand le Seigneur parle ainsi, c'est pas en vain. Alléluia. C'est prier aussi pour nous, les hommes de Dieu. Si on n'a pas servi Dieu de façon libérale, que notre main est rentrée dans des choses, priez aussi pour nous. Un autre sort. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Moi, j'ai fait plusieurs choses, mais ce que je me rappelle, c'est ce que je fais par la grâce de Dieu. Hier, quand j'ai dormi, quand je suis déjà débris pour le Dieu, Seigneur, vous avez dit, c'est comme si je me suis retrouvé dans un endroit. Et dans cet endroit, c'est comme s'il y avait de l'eau. C'est comme si c'était une rivière qui coulait là. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais est-ce que dans cette rivière, il n'y a pas de poisson dedans? Pas de poisson dedans. J'ai dit ça parce que j'ai le désir de pêcher des poissons dans l'eau. Et c'est comme si, au lieu que l'eau va être en bas, ça s'est retrouvé plutôt dans un rocher. J'ai encore un cadre interdit. Alléluia. Donc tout d'un coup, je sais pas, mais j'ai eu un abaisson. Et puis j'ai lancé, dès que j'ai lancé, j'ai attrapé un gros poisson. Dès que j'ai attrapé le gros poisson, il a commencé à y avoir un signalement. Pam, 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 pam. Et ce signalement disait que l'eau était interdite, que personne ne devait pêcher dans cette eau. Donc c'est comme si cette eau était pour les ébriers. Et j'ai dit, ah, donc on ne pêche pas ici. Donc rapidement, j'ai retiré la maison sur le poisson. Et puis je l'ai rejeté par le puits. Je le suis le meilleur. Ce sont aussi un portail spirituel. L'eau là, tu avais vu venir moi, comme cela a été. Et ensuite, l'eau est arrivée dans un endroit qui était interdit. Et on disait dans le songe que l'eau appartenait aux ébriers. Et quand tu as pris la maison, tu as jeté. Tu as réussi à prendre le poisson. Quand tu as réussi à prendre le poisson, automatiquement la lame a été sauvée. Et quand la lame a été sauvée, ce que tu ne devrais pas faire, que tu as fait dans le songe, c'est de ne pas avoir peur de la lame et de donner le poisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous servons le Seigneur Jésus, il ne faudrait pas que nous servons le Seigneur Jésus. Si tu as peur, on ne peut pas faire la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que nous serons en train de faire l'évangélisation, quand tu fais l'évangélisation, ce sont des personnes. Parce que le Seigneur Jésus a interprété les poissons comme étant des hommes. Il a dit à Pierre que je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc, il n'interprète pas les hommes comme étant des poissons. Donc, il arriverait un moment quand on se lève pour l'évangélisation. Quand on se lève pour l'évangélisation, on va passer que le monde est ténèbres est content. Parce que les âmes qui sont dans le monde, eux, ils maintiennent ces âmes en captivité. Et quand tu vas apporter la parole du Seigneur, pour aller prendre ces âmes-là, mais eux, ils sont arrêtés, ils vont chercher à les combattre. Mais pendant qu'ils vont chercher à les combattre, il ne faut pas te décourager. Parce que quand tu te décourages, c'est-à-dire que je laisse les âmes retourner telles qu'elles sont, qu'elles meurent dans leur péché, qu'elles restent là où elles sont. Alléluia. Donc, nous ne devons avoir peur de personne. Nous ne devons avoir peur de personne. Parce qu'il arrivera des situations où tu iras à l'évangélisation. Et il y a des choses qui vont se faire là. La peur peut entrer. Tu te diras, mais ici, là, est-ce que je peux évangéliser? C'est pas un truc de musulman. S'il n'y a pas d'essai, on va me frapper. Mon ami, ça, c'est pas ton problème. Jette la maison, ça prend le poisson, le reste à Jésus, pas sa charge. Donc, c'est bien ça. Au nom de Jésus. Je pense que l'Amen, l'homme de Dieu, je suis aussi qui m'a dit, je ne veux pas le remettre. Ta maison, c'était comme si on avait offert beaucoup de poissons. Voilà, je ne savais pas comment gérer ces poissons. C'était une longue vie de. C'est pas. En tout cas, c'était pour moi. Voilà, donc, bon, c'est un peu ça le son. D'accord. Bon, ça va. Qui veut donner les poissons? On avait parlé de poissons. Il avait assez de poissons, mais il n'arrivait pas à pouvoir gérer. Ça concerne la volume, ça concerne aussi le Seigneur. Il y a la gestion des âmes.
la gestion des lui-même, si ça le concerne, ça veut dire qu'actuellement, il est là. Bon, ça, après. Après, on va parler de ça. Mais ça nous concerne aussi, nous, en tant qu'homme de Dieu. La gestion des âmes. Le Seigneur nous envoie les âmes. Il faut que nous puissions gérer ces âmes-là. Parce que si nous ne les gérons pas, les âmes, on fait quoi? On ne fait rien comme travail. Alléluia. On n'est pas en train de faire comme quelque chose comme travail. Et aussi, ça nous concerne tout le monde. Tout le monde, ça nous concerne. Il y a la gestion des âmes au niveau des hommes de Dieu. Il y a la gestion des âmes aussi au niveau de nous-mêmes. Parce que chacun est le policier de son ami. Chacun est le policier de son ami. Et dans la gestion des âmes, gérer, c'est pour ne pas que ça s'écarte. Mais si toi tu participes à ce que ça s'écarte, c'est que tu n'es pas en train de participer à la gestion. Donc attention dans nos relations avec nos frères. Attention dans nos relations aussi avec nos soeurs. Attention dans nos relations avec nos les frères et soeurs de la santé. Soit tu seras en train de faire partie de la personne, ou bien tu seras aussi en train de. Mettre l'amour même de Christ dans le cœur de la personne. Maintenant, plus loin, en tant que Josué, mon frère, on est dans la caméra. Tu étais où? Tu étais à André là-bas. Tu étais à André. Et tu es arrivé ici. Les assemblées que tu avais fréquentées avant, est-ce que tu étais dans un service? Non. Tu n'étais pas dans un service. Maintenant, d'accord. Maintenant, toi-même, quand tu dors, tu as un chrétien de sauve. Par rapport au service de Dieu. Bon, je me rappelle ici. Il y avait des appelés qui venaient là. J'étais en train de manger. Depuis quand j'étais à l'écart. Depuis quand j'étais à l'écart. Et puis, c'était comme si je tendais. Mon ami, il faut t'en manger. Ma main. Il faut t'en manger. Bon. Il faut t'en engager. Il faut t'en engager. C'est tout. Il faut t'en engager. Il faut t'en engager. Il ne faut pas te mettre à l'écart. Parce que c'est en allant même, c'est ça. Lui, tu vois, quand il finit le culte pas, il est parti. Quand il finit le culte pas, c'est parti. Il faut être décrit. Il faut, l'œuvre du Seigneur, c'est pas seulement l'évangélisation, bien prier à la maison. Il faut être décrit aussi dans ce processus. Parce que l'œuvre du Seigneur, c'est pas seulement les hommes de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu, c'est tous ceux qui sont au service de Dieu qui vont, dans quelconque ministère que ce soit. Il faut être décrit, il faut t'engager. Il y a la réception de nouvelles personnes. Il y a l'œuvre du Seigneur, il y a les frères qui viennent chercher les parfums, qui viennent chercher les instruments pour aller déposer à l'évangélisation. Il faut te mettre dans ce genre de choses. Moi, c'est là même que je le vois mis à l'évangélisation. À la visite aux malades samedi. C'est là. Donc il faut s'engager. Il faut t'engager. Il faut t'engager. Si on va être vraiment. Moi, j'ai eu un problème dans la vie à m'engager. Parce qu'il voulait de l'argent. Parce que je me suis dit que dans ma tête, on ne veut pas servir Dieu et puis vivre des dîmes et des souffrances. Donc je refusais catégoriquement de m'engager. Ça m'a posé des problèmes, mon frère. Si tu ne t'engages pas, ça peut poser des problèmes. Alléluia. Parce que le Seigneur, souvent, il y a des bénédictions que tu dois avoir. C'est lié à l'activité. Tant que tu veux, tu vas tourner jusqu'à là parce que c'est le sorcier de ton village. Le jour où tu vas commencer à faire. C'est là maintenant que lui aussi, la bénédiction qui est rattachée à cela, il va te donner. Je te donne un exemple dans la vie moderne. Quelqu'un qui a dit une chose, professeur, il jouit de la bénédiction et des avantages liés au professorat. Quelqu'un qui est médecin, il jouit des avantages et des bénédictions liées au métier de médecine. Mais s'il refuse de faire son service, par exemple, quelqu'un qui travaille dans le privé, il ne s'élève pas pour aller au service. Il fait ce qu'il a envie de faire, c'est pas jouer de son salaire à la fin du mois. Il aura des ruptures. Il y aura des choses qui vont couper. Mais il faut t'engager pour le discours. Les personnes où j'ai vu ma grande soeur qui a perdu son mari il y a une semaine, quelques jours, il y a deux soeurs qui sont. Elle a commencé à pleurer. Il n'y avait personne qui pouvait la consoler. Tout le monde était à la regarder. Tout le monde était d'accord. Elle était détendue, insultée. Et un coup, je me suis levé sur une affaire pour la. Et j'ai commencé à lui dire que tu n'es pas seul, je suis avec toi, tu n'es pas seul, je vis avec toi. Peu importe ce qu'ils vont te dire, il faut pardonner, ils ne savent pas ce qu'ils disent, je suis avec toi. Et elle s'est mise ensemble, elle est deux encore, les deux ont commencé à préparer ensemble, et je me suis levé. Est-ce qu'on a rien dit ça au début? S'il est possible, pourtant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les gens. Maintenant, elle même qu'elle se mourra naturellement, tu l'as fait, tu l'as fait. Elle a son mari. Elle a perdu son mari récemment. Oui, récemment, il est demandé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la famille?
Bon, au niveau de la famille, vraiment, il y a beaucoup de violences. Oui, la tante, c'est pas comme ça. D'accord. On va parler de ça après. Avec nous. Bon, après ça, on va s'arrêter là. Parce que nous, on est à force. Ok, donnez-lui. Madame, c'est ma on était arrivé, on était là faire l'adoration. Donc, en même temps, la trompette a sonné, tout le monde était là pour prier. Et puis, les gens ont mis son respect en bas. En même temps, les esprits impurs sont venus les chicoter, les frapper. En même temps, la lave a poussé à venir sur leur corps sans délai le coup. Et puis, je me suis réveillée. C'est lui qui était resté. Les gens ont dit. Les gens d'ici qui ont été. Les gens montaient. Si tu es ici, tu es pour rien, tu es là. Le Seigneur, là, c'est vrai qu'il va nous parler de celui qui est mais la préoccupation du Seigneur, c'est d'abord son épouse. Il se préoccupe d'abord de son épouse. Et on dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Quand on dit que le jugement commencera par la maison de Dieu, ça ne veut pas dire que nous allons aller au jugement. Et quelqu'un qui est chrétien, lui, il arrive au jugement de Dieu, c'est que lui n'est pas sauvé. C'est que lui n'est même pas sauvé parce qu'il n'y a aucune personne qui va arriver dans ce jugement qui sera gracieux. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, quand le jugement commencera dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire au travers de l'enseignement qu'on nous donne chacun de nous, il vient juger. Et on a lu c'est l'esprit. Mais quand on va arriver sur la chair, on avait commencé, on n'a pas encore donné certains détails par rapport à l'impudicité, par rapport à la masturbation, par rapport à toutes ces choses. Quand on va arriver dans les détails, tu vas voir que tu auras encore des sujets de répandance. Alléluia. Bien, est-ce que nous sommes encore montés là? Nous sommes encore liés au monde, nous sommes encore attachés au monde, c'est le peuple d'Israël. Je vais vous amener à Canaan, mais n'imitez pas ces peuples-là. Ces peuples, ne les imitez pas. Parce que vous êtes un peuple consacré, vous êtes un peuple mis à part. Vous avez vos coutumes, vous avez vos traditions. Donc, on nous interpelle encore chaque jour. Ça, c'est l'interpellation de chaque jour. L'interpellation de chaque jour, c'est l'interpellation de chaque jour. On doit mettre à l'esprit que l'enlèvement. C'est un phénomène qui est naturel. C'est un phénomène qui est réel, il est plutôt naturel, réel. Et il y a d'autres qui ne vont pas arriver à l'enlèvement. L'apôtre Paul dit que nous, les vivants, nous serons enlevés, nous serons transformés. Mais il y a des gens qui seront morts. Maintenant, toi qui meurs, tu es où? Donc, n'oublions, c'est un conseil, il faut que ça nous habite. Il faut que ça reste gravé dans notre esprit. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, qui a été béni par la personne qui est le révélateur, qui a été béni, moi je ne peux plus, qui a été béni par le nom du Seigneur. C'est en même temps, on est de tout moment pour le voir, juste pour rappeler que demain, mercredi, il y a plus. D'habitude. C'est vrai que dans la matinée, nous réalisons de Dieu qui sera à la salle, mais si on veut être en retard, on va s'organiser pour qu'il y ait une chute. Jeudi, on est là pour prier ensemble. Vendredi, juste pour rappeler qu'il y a la veillée, il faut commencer à payer. L'homme de Dieu m'a dit qu'il y a 6 personnes qui ont payé. Il y a beaucoup d'inscrits, c'est bien. Tu dois commencer à payer. Samedi, normalement, l'homme de Dieu, Patrick Busson, voilà. Et puis, dimanche, bien sûr, on a notre culte de dimanche à partir de 9h. Alléluia. Amen. N'oublions pas que notre jeûne continue. Demain encore, c'est la vie. Le jeudi encore, c'est la bougie. Tu vas mettre ta main ainsi de recevoir et je vais prier pour le faire. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Voilà que, oh Seigneur, nous avons terminé, mais Dieu nous parle. Nous n'avons pas fini notre moment de jeûne. Nous te demandons de prendre le contrôle du reste du temps. Prends le contrôle aussi du reste de ce moment de jeûne. Aujourd'hui, tes enfants sont venus nombreux à de la paix éternelle. Bénis, bénis, oh mon Dieu, leur fidélité.
Toi qui es le Dieu fidèle, tu sais, Seigneur Jésus-Christ, les péchés qui sont encore enracinés. Mais Père éternel, par l'autorité que tu nous as donnée, en tant que Fils de Dieu, Seigneur, nous les avons déracinés au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Nous sommes toujours dans le moment, ô Père. Oui, nous te prions. Aide-nous. Soutiens votre corps. Soutiens votre corps. Tu le dis encore dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Père éternel, pendant cette nuit, sois notre corps, sois notre âme, pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Parce que Seigneur, le prix est grand, le prix c'est le ciel. Et nous sommes sûrs que tu vas nous aider à tenir jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus. De voir tout ce qui est distraction, tout ce qui est œuvre des ténèbres, tout ce qui est maladie, pour interrompre ce moment de jeûne, ô Dieu, pour les neutralisons, au nom de Jésus. Tout ce qui est activité professionnelle, tout ce qui est œuvre des ténèbres, pour nous décourager, pour nous faire reculer, pour nous empêcher de venir prier la sainte ici, ô Dieu, mon roi, nous neutralisons cela, au nom de Jésus. Seigneur, pendant la nuit encore, parle-nous. Pendant la nuit encore, révèle-nous tes oracles. Et permets-tu, Seigneur, de nous rappeler de cela, afin que nous puissions le partager. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comprends le message que tu veux nous donner. Mon Dieu. Tu es roi, tu es élevé. Et nous rendons, Seigneur Père, bénis-nous, garde-nous. Protège-nous au nom puissant de Jésus que nous avons prié, tout le monde dit Amen. Shalom ta sœur, shalom ta sœur, shalom ton père, shalom ta sœur. Come on.